Et bonjour à tous, salut Twitch, salut YouTube. Bon, juste un petit coup d'eau. Et on est là. Alors. Hop, écran de jeu, on part sur Dishonored. Dishonored. En fait, c'est chiant que l'écran soit pas en. Qu'il n'y ait pas moyen de le mettre en fenêtré. Hop. Alors. Okay. Alors, il me reste 10 succès. Il y en a lié à l'argent. Porter le coup de grâce à Corvum. Aider Lysistrata à s'évader du bagne de Colbridge. Permettez Landine un tas de marche. Acheter 8 faveurs. Terminer à KO élevé, en KO faible. Sans alerter qui que ce soit. Sans tuer qui que ce soit. En KO faible avec 10 000 pièces en poche. Oh, c'est chaud. Utiliser un ennemi comme bouclier. Ok. Ok, donc tout le son du jeu a l'air d'aller, ma caméra a l'air d'aller, on est bon, mission, contenu téléchargeable, accepté. On va commencer en KO élevé pour voir comment tout se passe, vu qu'on connaît pas. Ce salaud aux yeux noirs savait que quand Malam eut percé le cœur de l'impératrice, pour livrer ensuite sa fille aux hommes du Lord Régent, tout finirait par s'effondrer. Pourtant, il m'a bien laissé faire. Et le monde est devenu fou. La peste consume toute la ville. La corruption règne. Un tueur fou arpente les rues la nuit, en quête de vengeance. Les superviseurs ont saccagé mon repère dans le quartier inondé. Et je mène une étrange lutte contre une sorcière nommée Delia pour le destin de l'Empire. On pourrait me croire châtié, mais je sais que le monde ne punit pas les gens comme moi. Nous faisons nos choix et nous les assumons. Mais peu importe le reste, pourtant j'avais été prévenu. Ok. Ok, ouais, c'est cool qu'ils ont continué un peu l'histoire quand même sur le côté. Cela fait des mois que j'ai tué l'impératrice. Mais dans ma tête, je l'entends encore hurler. En vain, le nom de sa fille. Émilie. Je me souviens du regard choqué de Corvo. Et du rire de l'outsider dans mon esprit. Ok. Tu viens me faire payer ma dette. Et si tu avais mérité de perdre ton impératrice, mérité qu'un meilleur homme que toi prenne sa vie sous tes yeux. Allez, Corvo, prouve-moi le contraire. Non, mais, oh, je vais envie de trop. Ah, pourquoi c'est. Le son du jeu est bizarre. Ok. C'est peut-être parce qu'on est en KO élevé. Hein. Portez le coup de grâce à Corvée ou tentez de le faire. Que... Je... Bon sang. Maître, Thomas a rapporté les informations que vous aviez demandées. Il vous attend en bas. Voilà, Thomas. Ok, donc coup de grâce. Premier succès, c'est bon. Il y a des plans un peu partout, ça c'est cool. C'est quoi? Ah, c'est marrant. Ok.
tout ça, attraction. Donc il a succès avec attraction. Utiliser ennemi comme bouclier après l'avoir soulevé à l'aide du pouvoir attraction. Utiliser un ennemi comme bouclier. Là, je vais le prendre direct. Et on va le prendre niveau 2. Permet d'attirer vers vous tout être vivant ou mort. Ok. Pour le moment, c'est bien comme ça. On va pas lire tout. J'ai trouvé Lizzy Stride. Mais je crains que lui parler de son bateau soit un peu plus compliqué. Lizzy Stride, donc Lizzy Stride, on doit la. Vu ce On va qu'ils ont aller. sur elle, il y a peu de chances qu'elle ressorte un jour. L'aider à Excellent. s'évader. Lizzy a des ennemis à Coldridge. Si on s'y prend bien, elle nous suppliera de négocier avec elle. Prêt à partir, maître? Ou dois-je attendre? Let's go. Let's go, let's go. Une rune sur deux, un charme moqueur. On s'en fout, on va pas chercher les runes ni la ligne, quoi que ce soit d'autre. Delilah ne quitte plus le manoir Brigmore désormais. Rien ne l'y J'ai pas oblige. regardé s'il y avait de l'argent qu'on pourrait C'est gagner. donc à moi de venir à elle. Le manoir est en amont, après la ligne de quarantaine. Il me faut un bateau. Je vis dans l'ombre de Dunwall depuis longtemps. Je connais tout le monde. Chef de gang, Mackerel, officiel véreux. Et ce qu'il me faut, c'est quelqu'un qui connaît le fleuve. Quelqu'un de confiance. C'est une inspiration de Dunwall. Où cela vient de moi. Mais après toutes ces années, ma meilleure option, c'est Lizzy Stride. Et Lizzy Ok, Stride est Lizzy en prison. Stride. Travail de Lizzy Stride. De te faire appel à son réseau d'espions et de marchands. Ok. Continuer. Je dois acheter au moins 8 faveurs. 1, 2, 3. Amélioration, on va quand même prendre ça. On va prendre ça aussi. Et le reste, on s'en fout un peu, je pense. Qu'est-ce qui pourrait être cool? Les balles, on va les trouver. On peut commencer la Avec mission. ça, je devrais passer la grande porte. Je vais devoir me faire contrôler par les gardes de la porte. Bah contrôler ou pas? Si. Ah mais oh. Alors. Ça c'était vidéo. Superviseur. La salle d'interrogatoire. Vous voilà, superviseur. Ça fait des heures qu'on vous attend. On a eu un problème à l'écluse. Ouais. Écoutez. L'incident s'est produit dans la salle d'interrogatoire. Traversez la cour et continuez tout droit. L'accès au reste est interdit. C'est compris? Ok. Ne vous éloignez pas. Mais il faut que ce soit un chaos élevé. Et vous pouvez garder vos serments. N'oubliez pas qu'ici c'est Coldridge, pas l'abbaye. Faites votre travail et c'est tout. Je ne vous dérangerai pas longtemps. Mais si c'est chaos élevé, j'ai envie de tuer tout le monde. Ouvrez la porte. Cet accoutrement n'hésite pas à tuer les leurs. Ok, donc il y a des choses par ici. On m'en veut déjà? C'est quoi ça? Faisons le sortir et voilà. On fait les rangs. Ok. Ah oui, c'est vrai que j'ai la sorte pour. Je peux pas utiliser. Restez à couvert.
Je vais essayer de revenir en arrière. Désorienté par la musique des superviseurs. Superviseur. Bagne. Garde. Ouvrez la porte. Ok. Cet accoutrement ne me servira à rien dans la zone interdite. Pour manquement à votre devoir et pour présomption raisonnable de complot et trahison, je vous condamne. N'hésite pas à tuer les leurs. Ok, ok. Je sais pas si tous les autres ont réussi à s'enfuir. En tout cas, notre quoi s'il, tout ça, tout ça. Mais du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai de quoi? Et il y a l'air d'avoir une rune. Ah, ok, ici. Ferme d'os, avantage écrasant, mais ça on s'en fout un peu. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Désorienté par la musique des superviseurs, la magie ne fonctionne pas. Et du coup, il n'y a aucune magie que je peux. Et j'ai l'air de quand même pouvoir descendre. Et peut-être pas par là. Ok, ils sont deux comme moi. Ok. Donc en dessous, est-ce que je peux descendre? Ah mais oui, en fait, voilà. Mais j'espère que j'aurai moyen de couper la musique des superviseurs. On a vu d'y avoir d'autres choses ici. Prendre des carreaux sera un petit peu plus discret. Par ici. Peut-être par où je vais partir. Ok, tout a été fermé ici. Clé du casier, ça va m'intéresser. En attendant, ici on est bon. Ok. Alors, n'oubliez pas que Sub a été appelé pour gérer l'incident de la salle d'interrogatoire. Ok. Ok. Devrait y avoir quelqu'un de garde ici. Toutes les cellules de la section B sont en quarantaine jusqu'à nouvel ordre. Les détenus de la section B seront... Ok, ça c'est bon, c'est géré. Hop, hop. On a fusillé trois de nos hommes alors que personne ne sait ce qui s'est vraiment passé. Ils étaient innocents. Amplificateur compact. Et il a mal choisi son jour pour cuver son vin. Maurice avait trop peur d'aller dans les égouts. Il n'était... Ok, ça s'est reprogrammé. Ce masque ne trompera pas un pylône. Ok, parfait. Ils ont été désintégrés. Ici, qu'est-ce qu'on a? La section B fermée jusqu'à la fin de l'enquête d'évasion de Corvotano. Ok. Je passe par là. Quand je vais par là tout droit.
clé du casier 41. L'accès à la salle d'interrogatoire est interdit à tout le personnel jusqu'à ce que le représentant de l'abbaye te dise et certifie l'absence de corruption hérite sur tout. Ok. Lizzie Stride. Ok, Lizzie est là. Toutes les entrées du registre doivent comprendre le nom du prisonnier déplacé, le numéro de sa cellule et de destination. Le registre est conservé au poste de garde situé à la section C et D. Ok, donc. D. C'était avant, quand l'impératrice était. Membre des chapeliers, membre des chapeliers. Les gens changent. Où est Harold ? Sa cellule est vide. Ok. Mais peut-être que... Si je sauvegarde rapidement. Comment est-ce qu'on va me voir ? Est-ce que je sais pas si je vais pouvoir survivre. Il y a du poste de garde, ok. Il y en a un qui s'évade. Donc ici on est bon. Et puis après on va pouvoir faire tout à mon ce registre des cellules donc. Elizabeth Stride. Cellule A00. A00. J'ai pas la clé des casiers. Elle est pas sur eux. Ok, donc ça c'est un succès réussi. Et ça c'est bon, tous les deux sont down. Ok, non, on lutte pas. Et donc ici on est bon aussi, clé du casier. Oh, ok. Paralysante. Comme convenu, votre commande spéciale est livrée. Ok. Ok. Commande des cellules. Cellule A00. Ok, c'est ici, c'est le bordel. Du coffre. Cher officier Ashfield, je sollicite humblement l'accès à des documents de recherche concernant la nouvelle poudre incapacitante que vous avez peut-être acquis récemment. Sujet délicat, toutes les précautions seront prises. Notre ami la 25. Le chapelier que nous avons tenté de cacher son butin dans le canal quand nous l'avons surpris. Partie du groupe qui a attaqué le véhicule de Lord Brimond. Nous avons dénoncé ses complices. Dallas aura vite fait de délier la langue. C'est pas très impressionnant, ouais. N'est-ce pas? Ah, 0 à 5. Tant mieux. Commencez par nous expliquer comment vous êtes entré à Dunwall Tower. Est-ce qu'un des serviteurs vous a aidé? Un des gardes peut-être? Quel moyen de monter là-dessus? Pas de réponse à votre guise. Caporal, ouais, c'est vrai que j'ai. C'est ça, le plus petit. Difficile de dire si elle a senti quelque chose. On ne doit pas y aller trop fort. Ok.
jusqu'ici on soit au froid un peu. Là. Ah, mais si, les gens ils ont rien entendu. Voilà. Ok. Maintenant, c'est plus compliqué, mais ça va. Tout était fait. On va repasser par ici. Alors. On monte par ici. Ouais, il y avait des escaliers, c'est bien ça. Ici. Ok, des rats. Le 1025. L'accès à la salle d'interrogatoire est interdit à tout personnel jusqu'à ce que le représentant de l'abbaye certifie l'absence de corruption. Qu'est-ce qu'on a ? Bonne récapacitante. C'est ici le 1025. Il y a moyen que ce soit ça. Il est écrit quelque part. Il y a un autre 15. 16. Je regarde si j'ai pas des interactions avec des gens. Et là, il y a l'air d'y avoir quelque chose de spécial, mais on s'en fout. Ok, rien d'intéressant ici. Ah, commande des cellules, c'est là. Hein. Mais où est-ce que c'est là, commande des cellules? Ici. Ici. Je peux rien prendre. Commande des cellules, c'est ici. C'est ça qui ouvre les cellules. Ok. Je vais ouvrir déjà pour commencer la A00. Régler le premier communicateur, ok. Et ensuite j'ai la 1025. Enregistrement des transferts. Ok. Ok, donc là normalement. Mais A025, je sais pas où c'est. Ici on est quoi? A14, A15. D'interdiction radiale. À mon avis c'est au-dessus. 20. Ayant suivi la formation réglementaire. Il y a plein d'argent. La rune elle est en dessous, ça m'intéresse pas. 22, 23, 24, 25, c'est ici. J'ai réussi à mettre la main sur une formule expérimentale testée ici même. Mélange, les gardes, poudre incapacitante. Aura prisonnier vulnérable pendant quelques instants. Ok. Donc, en soi, ça m'intéresse pas trop. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste Lizzie. Okay, ici. Debout, Lizzie. Je vous dirai rien. Mais qui? Toad. Voyez-vous ça? Quiconque vous envoie. Service. Quel genre de service? Quelle importance? Vous mourrez si vous restez ici. Quel genre de service? Un tour de bateau. En amont. Après les barrages. C'est vraiment pas de chance. Mon bateau, Lundin, il appartient à quelqu'un d'autre. Mon second est parti avec après m'avoir trahi. Petite ordure du nom d'Edgar Wakefield. Je connais bien ce genre de situation. Vous pouvez marcher? Détachez-moi. Ok. Je vous paierai pour éliminer Wakefield. Ce sera avec plaisir. Venez. Ok, parfait. Quittons vite cet endroit. Donc ça. C'est ce levier pour défaire les chaînes. Ok. Est-ce qu'elle me suit ou est-ce que je dois la porter? Dode. Je crois. Oh. Ok. Je vais devoir la porter. Ok, ok.
L'accès à la salle d'interrogatoire est interdit à tout personnel jusqu'à ce que le représentant de l'abbaye ait certifié l'absence de corruption. Bon, on va essayer de... Non. Ok. C'est bon, tout le monde est mort ici. Plus de soucis. Si on a plus de soucis, on peut aller récupérer l'autre. Hop. Ah, par contre, on est chigala quand on porte quelqu'un. Dans l'enceinte de la prison, à tout le personnel, capturé. Ok. Ah, c'est en dehors qu'il y a le. Ok. Ok, ouais, donc je peux absolument pas utiliser mes pouvoirs en extérieur. Ok. On me tire dessus. Ah oui, je suis désorienté par la magie en plus, donc je peux même pas courir. J'espère, j'espère qu'ils savent pas viser, qu'elle va pas mourir. Et non, ça a l'air d'aller. Entrer dans les égouts. Ok, donc là normalement je devrais avoir un succès. Comptez sur nous. Prêt à partir, monsieur. Une Daily Stride. On peut y aller. Allons-y. Ok, parfait, succès. Ici, il y a 1655 pièces d'or. Je vais toujours l'écrire. Je vais commencer à écrire. Avec succès lié à l'argent. Moi, j'ai écrit. Ah oui. Ah oui. Ici, je suis à quoi bien 1600. On peut continuer. Dunwall change à vue d'œil. Il y a 6 mois, Draper's Ward était, pour les riches et les nantis, l'endroit à Dunwall où il fallait se montrer. La peste l'a consumé. Maintenant, c'est un champ de bataille où 2 gangs s'affrontent pour piocher les restes. Les Chapeliers et le gang de Lizzie, les Anguilles Mortes. Lizzie Stride menait le gang, jusqu'à ce qu'Edgar Wakefield la trahisse et prenne sa place, ainsi que son bateau. C'est le genre de choses qui arrivent tous les jours à Dunwall. Je ne le juge pas. Moi j'ai fait bien pire. Mais je veux ce bateau. Edgar Wakefield et moi on va causer. Ok. Poudre de confusion, tout, il faut que je continue sur les faveurs, je dois en acheter au moins 8. Là on est bon. Tout le reste on s'en fout de nouveau, on va racheter un peu de tempo. Hop. On peut commencer la mission comme ça. L'usine tirait son énergie d'une roue hydraulique avant que le canal s'assèche. Elle a redémarré il y a peu. Mais la méthode employée par les Chapeliers a enragé les Anguilles. Ils s'affrontent dans les rues. Ok, allez, sur les quais. Usine textile. On était là avant. Ramenez-nous le vieux. Ça fait 8 ans qu'on est là. Une égarée. Ah mais ils veulent me fumer moi aussi en fait. Hop les. Efficace la grenade quand même. Plus aucun souci. Alors je dois aller sur les quais, je dois peut-être passer sur l'usine, la rune égarée, on s'en fout un peu je pense. L'exploration je la ferai par après. Oh, j'ai sursauté.
Mais pourquoi ils me font peur comme ça? J'ai besoin d'aide avec celui-là. J'ai pas besoin d'aide. Ok. Elle est morte? Ouais. La rune est garée là en dessous, on s'en fout un peu. Je suis vaincu. Je pensais que le plus dur serait. Hop. Non. Ok. Ah, j'ai pas pu. Allez, récupère. Ah, mais elle est là. Ok, mise en garde. Où ? Je dois aller au quai, je dois aller à l'usine textile. Je sais pas pourquoi est-ce que je dois y aller. Il y a le coffre. Les requises, ok. On verra ça plus tard en attendant ici. Ok. Où t'es parti te cacher ? Il parle. Déjà en dessous ? Peut-être là en face. Ah oui, là. Je ne vois rien d'anormal. Merde. Compliqué de viser. Hein. Là, il y a quelqu'un. La ville elle-même sent le bruit. Presque plus de balles. Je sens pas bien. Ok. Eux qui sont là à côté. Que je sais passer sans me faire foudroyer ici. Je dirais. Petite sauvegarde rapide quand même. Quelqu'un va se faire planter. Ok. Utilisation de tout ça, on s'en fout. Ça reprogramme au cas où. Et ici, médecine textile. J'ai un petit trou de mémoire. Bien tenté, sale pouilleux. Dégage. Interphone. Ah ok, donc il y a vraiment un mot de passe. De me faire traiter de sale pouilleux. Où est-ce que je pourrais trouver le mot de passe? Bah après, peut-être qu'on s'en fout. On veut juste aller là en face. Là derrière il doit y avoir des gens. Ici j'avais tué d'autres personnes aussi. C'est pas grave. Ici. Je crois qu'il y a un truc là au-dessus. Est-ce que je peux? Non. Comment ai-je pu y échapper? Tous les autres ont. Bienvenue au grand bazar de Draper's Ward. Ou au marché noir, si vous préférez. Vous êtes. Ok, ça c'est intéressant. Je vous ai reconnu d'après les affiches. Mais je dirai rien à qui que ce soit, croyez-moi. Je serais content de vous compter parmi mes clients. Qu'est-ce que vous vendez? Montrez-moi ce qui vous plaît. Ah ouais, ok, donc je peux tout acheter. Fleur de. Pourquoi je peux en acheter? Peut-être que j'en ai besoin pour quelque chose. Je peux la garder. Les requises. J'espère que ça va à te faire le canal. Sec depuis. Des brutes qui patrouillent les rues n'ont aucune idée de la valeur de ces fleurs. Malheureusement, le quartier n'a compte plus aucun. Faut peut-être te faire passer l'eau à vente contre commission. Ça marche, munitions, dis-moi ce que t'en penses. Tous ces rats grouillantes partout. Ok. J'ai entendu tirer, c'était quoi? C'était lui? La ville est morte. Nous ne tiendrons pas
comprends pas ce que je dois faire. Ah, peut-être lui qui l'a tué. Quelqu'un veut avoir mal. Bien. Mais l'usine textile, je sais quand même pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est l'usine textile? Comment est-ce que je peux choper un mot de passe? Il y a un endroit que j'ai raté. Après, vu que j'ai rush le truc, c'est possible. Là au-dessus, je peux rentrer. Et un petit hôtel. Amener un homme pour incarner mon époux aux yeux noirs. Amener une femme pour tenir mon propre rôle de jeune marié. Les placer tous les deux dans le cercle éternel. Placer une alliance pour les unir sur le plateau d'argent. Faites ça pour moi, un cadeau de noces vous sera offert, mamie chiffon. Texte dans les yeux, un rituel étrange. Mais ouais, mais... Mamie chiffon, elle est chelou. Ok, j'ai moyen de passer par là. Non plus. Ah, peut-être que c'est là le truc qu'il me fallait. Dresser quelques rats blancs. Il y a un peu d'argent, des munitions. L'occasion se présente. Ok, donc les rats. Les rats blancs veulent des choses. Et je ne sais toujours pas. Comment je peux rentrer là? Quel est le mot de passe? J'ai un petit trou de mémoire. Bien tenté, sale pouilleux. Dégage. Bon, tant pis, on va faire ça. Oui, je sais pas ce que c'est. On verra ça plus tard. Peut-être que j'ai raté une discussion importante ou autre. Je pense que j'ai fait beaucoup par ici. Quoi? Venez par là! Ah, mais. Non, c'est pas du poison comme ça. Ok. Allez, sur les quais. Toutoum. Wakefield est compétent, mais il est moins marrant que Lizzie. Venez là. Ça, c'est bon. Ah, mais peut-être que c'est même ici en fait que je vais avoir plus d'infos sur l'usine textile. Mais un peu la flemme de revenir en arrière. Je vois qu'il y a un appartement là. Edgar Wakefield est à bord de Lundin. Ses anguilles sont en alerte. J'ai constaté depuis notre petit raid qu'on a des anguilles. Apparemment, on s'est fait débusquer les membres du gang. Ceux qui ne chassent pas sont massacrés pour servir d'exemple. Je pense qu'il est là. Je me suis aperçu d'une femme qui rôdait sur les toits voisins la nuit dernière. Elle espionnait les anguilles. C'est moi qui ai que Lizzie s'est évadée de Coldridge. Ok. Il attend son retour. Une femme sur les toits. Ah, c'est la femme qui est là. J'arrive pas à croire qu'on rate la soirée des Boyle. Petite sauvegarde rapide. Pourquoi elle a disparu? Wakefield s'est enfermé dans la cale de Lundin. Les navires de contrebande comme celui-ci ont souvent une trappe cachée pour larguer la contrebande s'ils se font prendre. Okay. Peut-être que Lundin n'est pas différente. T'as déjà vu un homme en feu? Il n'y avait pas une femme juste ici? Il saute tout seul dans le... Mais il y avait complètement une femme. Bon, idéalement, il faudrait que je la tue le plus possible pour garder le mode chaotique. Comment tu peux savoir ça? J'ai des relations. Hein? Voilà le bateau. Wakefield. Okay. Bon, quoi que je lui fasse. Je vais répondre. Ce n'est rien comparé à ce que lui réserve Lizzie. Si jamais je te trouve. On va essayer de tuer le plus de monde. Sors de ton trou et viens danser une petite gigue.
embarque avec moi. Qu'est-ce que... Merde. Montre-toi. Je te promets de me montrer d'où. Te vois. Mais quelle éconne. Elle s'est tuée, non? Ouais, si, elle s'est complètement tuée. Bon. Elle s'est tuée. Bien, nous on va continuer à tuer tout le monde parce que. On doit bien ça. Ah mais encore le poison de ses morts. Mettez-le en pièce. Ah c'est lui. Ah c'est lui. Temps de faire signaliser. Je pensais pas que ça allait être comme ça. Mais bon. C'est fait, c'est fait. Tout full camp, ouais. Ça ouvrait. Ah oui, c'est pour la cale. Pas des petites marchandises gratuites là. Alors là au-dessus. Amirauté, flotte, on s'en fout. Mettez les gaz, non. A sonné la corne du navire, donc ça on va prévenir l'autre. Les Istrides assument le contrôle des anguilles maintenant. Elle leur a ordonné de vous assurer un chemin sûr. Votre ami Edgar Wakefield m'a doublé et m'a livré à la garde urbaine. Et vous l'avez suivi. Vous m'avez trahi. Mais vous savez quoi? Je vous pardonne. À tous. Mon cœur déborde d'amour. Mais les personnes suivantes me doivent chacune un doigt. Logan, Douglas, Bang Bang, un doigt. Ferris, Big Face, les Bakers et Annabelle. Et merde. Deux pour toi, Annabelle. Bonne nuit à tous. Cette espèce d'ordure, Edgar. Son incompétence continue de me gêner. Ça part à l'ambiance. Saboter Lundin. Ambiance sympathique. Aucun dégât. Ils ont pris notre bobine. On est cloué sur place. Qu'est-ce que c'est? On ne peut pas la remplacer. Ils n'en fabriquent plus. Pas pour les moteurs comme le nôtre. On doit la leur reprendre. Le vieux est toujours à la tête du gang, non? Je vais aller le voir. Ce ne sera pas facile. Il y a un hic. Comme toujours. À mon avis, celle-là. On va t'avoir dans les 100 ans maintenant. Et s'il va aller dans l'usine de technique. Leur base sera gazée. Alors ils prennent bien soin de lui, avec un infirmier et tout. Essayez plutôt d'arriver à un accord. Jouez de votre charme. Ok. Un des chapeliers m'a avoué leur mot de passe pour pouvoir garder le reste de ses doigts. C'est os de baleine. Ok, donc maintenant on a le mot de passe. J'ai eu l'occasion de m'en servir. J'étais en prison. Soyez prêt à partir, à mon retour. Ok, F5. Ouais. Et les pouvoirs de Dode alors. Alors, eux, maintenant ils me foutent la paix. Bizarre, mais je crois pas à un homme invisible qui nous survit. Ici. Draper Sword, on est bon. Ici. Ouais. Ici, normalement, le truc nous appartient si ça n'a pas changé. Voilà, c'est bon. Ici. Quel est le mot de passe? Os de baleine. Résine textile et Draper Swap. Maître, les chapeliers utilisent les machines textiles pour tisser des linceuls.
On sait maintenant pourquoi ils ont pris la bobine. Le chef des chapeliers est plus fourbe qu'il en a l'air. Il peut inonder cette usine de gaz toxique. Nos filtres ne résisteront pas longtemps. Ok. Vous devrez peut-être négocier. Négocions. Ouvrier Trotwild, bureau principal. On peut pas juste tuer tout le monde ? L'impératrice. Je crois qu'on va tuer tout le monde. Ok, on massif tue tout le monde. Toi, ciao. Ok, on ramasse les balles, on ramasse. Comment est-ce que je rentre là moi maintenant? Au moins ici on me foutra la paix, je peux rentrer par ici. Là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Ça. Ok. C'est juste une question de temps, mon gars. Ah, ça, on va peut-être. Ah, j'ai plus de. Merci pour le follow. Bonsoir. Comment est-ce que tu vas? Alors, là en dessous, on pourrait rentrer. Là, je peux pas y aller. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici on est tout bon. Ah oui. Bah ouais, ça va nickel, écoute. Ok, ça s'est pas passé comme je voulais. Donc je suppose que tu viens pour le jeu. Le jeu Dishonored. Drood, je ne pensais pas vous revoir un jour. J'ai trouvé un poste ici, après que vous nous avez aidé à fuir l'abattoir. Qu'est-ce que tu aimes sur le jeu et pourquoi est-ce que tu vas le voir en stream? Parce que tu l'as commencé ou alors que c'est un vieux jeu que t'aimais bien? Mais il faut bien que quelqu'un le fasse après tout. Comment trouver la salle des machines? Ok. Elle est au sous-sol. Ah là je fais un DLC. D'entrer sans la combinaison. Et j'ai pratiquement fait tout le jeu. Enfin, tout le jeu principal j'ai terminé. Yeah. Je vous parie deux DLC après que j'ai fini aussi. Donc là c'est. Mais Trimble ne laisse jamais personne l'approcher. C'est pas le jeu original quoi. C'est bien bien après. Le vieux connaît aussi la combinaison, mais il est rarement seul évidemment. Le seul moment où Trimble s'éloigne, c'est pour vérifier son équipement à l'étage. Merci pour votre aide. T'as jamais joué avant ça? C'est vraiment la première fois que tu joues? Ok. Il ne reviendra pas de son patron. Ok. Bah tu vas voir, la première fois qu'on joue, c'est vraiment sympa. L'ambiance est cool. Bah, c'est une ambiance un peu sombre. C'est une ambiance que moi j'aime bien. Et voilà, pour s'y plonger vraiment, c'était vraiment vraiment sympa. J'aimerais bien redécouvrir pour une première fois le jeu. Ouais, je me doute. En plus, ça reste assez ouvert. Ça reste un style de jeu très très ouvert où tous tes choix ont un peu de l'importance tout au long. Déjà juste pour ça, c'est exceptionnel. Okay. Ouvrier, ça on va pas les tuer. Par contre, toi, mon ami, tu meurs. C'est quoi que t'aimes bien? C'est le fait, c'est plus les jeux d'assassinat ou c'est le fait d'avoir plusieurs choix et de pouvoir faire le jeu de plusieurs façons? Métallique. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça va me servir? C'est pas un genre de jeu qu'on voit beaucoup. Bah à l'époque c'était assez connu quand même.
Je dis à l'époque. Je pense que la première fois que j'ai joué, c'était sur PS3 et c'était. Je pense que c'est 2012 la sortie du jeu, donc ça date. Wakefield a mal calculé son coût. Hop. On va essayer d'aller discuter avec eux. Je m'appelle Dawn. Je viens chercher. Ah ouais, ok. Mais au niveau assassinat, c'est cool. J'essaie de suivre un peu ce qui se passe aussi. Oui, c'est une offre raisonnable. Le vieux dit que vous avez de la chance. On utilise la bobine que parce que quelqu'un a coupé l'eau qui entraîne notre roue hydraulique. Assassin's Creed. Mais j'ai fini le. Parce que le but de la chaîne, enfin de ma chaîne Twitch du mois, c'est d'essayer de finir le plus de jeux possible au niveau des succès. Et vous aurez votre bobine. Ok. Voici la clé pour donc c'est de finir le plus de jeux à 100%, bah, donc 100% des succès. J'ai fait le Assassin's Creed Origins, qui était complètement exceptionnel. Tant que vous respecterez votre part de marché. Je sais pas si t'as déjà joué à celui-là. Des années, je suis fan de Assassin's Creed, j'ai été obligé d'essayer, mais ouais. Tu peux comprendre, c'est vraiment à des. Enfin, pas des premiers jeux, parce que le premier jeu, c'est comme ça reste Assassin's Creed. Mais ça reste un jeu incontournable au niveau des assassinats. Je sais pas si t'as pu essayer Aragami. Le dernier, je l'ai pas fait non plus. Tous les autres, j'ai un peu joué aussi. On va pouvoir passer par là. Une préférence. Bah, en fait, je suis un grand fan de l'Égypte antique. De l'Égypte tout court, en fait. Du coup, Origins, grosse préférence, mais juste pour l'univers. Sinon, je sais pas trop quelle serait ma préf. Si, je vais dire complètement Origins. Et toi ? Petite préférence ou. Oh bordel, j'aime pas ces monstres. Le 3, je sais plus lequel c'est le 3. Il se passe quoi encore dans le 3? C'est avec qui? Ok, il y a un code ici. C'est Angleterre, non, le 3. Je me souviens plus trop bien. 1 et 2, c'est Révolution américaine. Ouais, c'est ça. Ah oui, américaine, pas Angleterre. Qu'est-ce qui m'attaque? Oh, les rats. C'est Connor dans le 3, non? Je t'avoue que je suis complètement. Il y a tellement longtemps que je les ai plus fait et que je n'y ai plus joué. C'est Dio dans le 3? Ah, mais c'est Dio? Elle a l'air chelou. Elle est méchante. Par ici, je pense pouvoir marcher si vous me relevez. Je crois qu'elle va me fumer. Du coup, ça va. Oh merci, merci d'être venu. C'était affreux. Il y a des choses terribles dans ces tunnels. Mais aucune n'est plus terrible que moi. Ok. Oh non non. Ok. Je sais pas ce qui.
Au secours, libérez-moi. Petite ambiance sympathique. Ok. Il y en a encore une. Mais du coup, tu connais le jeu Aragami ? Si t'aimes bien les jeux un peu d'assassinat. Quelques sont sur la station pour voir l'eau ne coule dans le canal. Ok. C'est pas très connu non plus comme jeu. Oh, mais qu'est-ce qu'elle me saoule ! Elle vient de battre. Ok, parfait. Si, c'est un peu ninja où tu peux te déplacer à travers les ombres. Mais ça, c'est, j'avais trouvé. Enfin, c'est un peu plus. Comment dire ? Un peu plus dessin animé, je veux dire. Un peu plus arcade, peut-être. Que Yoshi ou autre. Mais j'avais trouvé ça très très sympa. Le 2, je n'ai pas fait. Le 1, je l'avais fait à 100%. Mais pas sur ce compte-ci. Mais je pense que je vais le refaire un moment. Mais c'est très sympa aussi. Sinon, Dishonored, t'as le 2 et le 3 aussi qui existent. Le 2 et le 3, le 2 je l'ai déjà fait, j'ai déjà joué. Par contre le 3 absolument pas. Et je sais pas si t'aimes bien... Je sais pas si t'aimes bien Skyrim aussi. Avant d'arriver sur la live. Ouais, t'as vraiment donc... Ouais, bah, c'est... En vrai le 2 j'ai extrêmement kiffé. Je vais pas te dire un peu ce qui se passe et tout parce que j'ai envie que tu découvres l'histoire aussi de ton côté. Mais le 2 est extrêmement kiffant. Mais si t'aimes bien Skyrim et que t'aimes bien un peu jouer en mode assassinat, parce que tous les jeux auxquels je joue, si je peux jouer assassinat, je le fais. Là je vais tenter un truc. Pas sûr que ça passe. Mais du coup, moi j'aime bien jouer à Skyrim en mode full assassin et il y a un mode qui met du Dishonored dedans. Je peux jouer à tout le jeu en ayant les pouvoirs de Corvo. J'ai trouvé ça extrêmement drôle et kiffant à faire. Si la vanne de contrôle du débit a disparu, chargez quelqu'un de la retrouver et de la rapporter à la station. Là je suis pas en mode full assassin parce que en gros je dois faire un succès ou je dois faire le jeu en mode full chaotique. Donc pour ça, 0 tentative de discret. Oh putain les rats. Ça on a récupéré la clé de la vanne. Hop. Ensuite, on va réactionner la vanne. Mortal Shell ? Absolument pas. En vrai, si tu me fais découvrir des jeux, moi je suis hyper content. Et si ça rentre dans le... Dans le but du stream, je veux dire. Si c'est un jeu avec des succès, voilà qui devrait rétablir les coups. Bien, allons chercher ça. Ça m'intéresse. Usine textile maintenant, bah on va y retourner. Y'a pas un chemin plus court ? On dirait pas. Ok. Bah, je vais mettre 2 secondes sur pause le jeu. Parce que t'es pas le premier à venir et à... Enfin, on parle un peu des jeux et tout ça et à me conseiller des jeux. Bah déjà, est-ce que tu le conseilles ? Mortal Shell. Ah mais c'est déjà dans ma liste de souhaits.
on dirait un peu Souls-like, non? Ouais, c'est déjà dans ma liste de souhaits en fait. Mais du coup, si tu sais m'en parler un peu, parce que je connais absolument pas. Et ça reste assassinat quand même? Oh non, 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 non. Ok, reprendre. Ouais. Alors. Je pense qu'il n'en aura plus jamais besoin. Et de l'appartement du mécanicien. Passer par là. Ouais. Je suis où? Pourquoi je suis bloqué? Oh, je crois que je suis body block. Non? Ok, non, c'est bon. Du cible là. Là, du coup, on s'en fout. Non, mais. Open pour. Héros solitaire, ok. Et c'est ça qui te fait un peu kiffer aussi, c'est les héros solitaires. Si j'ai pas le code. J'aime bien savoir le goût des gens comme ça. Il m'attaque pas. Ah mais non, vu que j'ai passé un pacte avec l'autre. Ok, du coup, hop, ici. Sinon, le jeu que t'as préféré, tout confondu. C'est fait, mais vous ne reverrez jamais vos hommes. Un marché est un marché. Le code est 2, 3, 8. 2, 3, 8. Donc, vous avez choisi. 2, 3, 8. 2, 3, 8. Vous et Trimble, vous êtes pareil. Vous crevez. 2, 3, 8. Supposé faire peur. Ok, qu'est-ce qu'ils me veulent? Tant qu'à faire, si je peux avoir de l'aide et si je peux avoir des bons jeux conseillés. 2, 3, 8 le code, c'est ça? 2, 3, 8. Venez-vous les rats. Ok. Donc ça c'est le code de l'autre côté. Ok. Continuer par ici. Hop. Vapor Sword. Je me le referai peut-être un jour les Assassin's Creed. Ça ne durera pas longtemps. D'ailleurs, il y a le nouveau qui vient d'être annoncé. Pas annoncé, mais qui a été leak un petit peu. Oula. Comment tu vas, Inelia? Sinon, MMORPG, est-ce que j'y joue un peu? Bah, ça dépend, j'y ai déjà joué. Bah, écoute, ça va nickel. Est-ce que ta journée d'études s'est bien passée? Études ou procrastination? Bah, j'ai beaucoup joué à WoW. J'ai commencé tôt à jouer à WoW.
Puis il y a eu Dofus. Et sinon, j'en ai pas fait beaucoup d'autres, je pense. Mais Inelia est une grosse fan, il me semble, des MMO. Du coup, ça s'est relancé. L'entrée des rues est bonne. Qu'est-ce que je dois parler? Hop. Allez-y. À vous l'honneur. Lancez le moteur depuis le pont. Il est temps de partir. Ok. Let's go. Ok, donc nouveau succès récupéré. Ici à 3520 pièces. Donc, je note l'argent dans chaque 3500. 3, 6, 7, 8, 9600. Ok, on peut continuer. Pourquoi t'as un MMORPG à me conseiller ou quoi que ce soit? Ou tu cherches juste des infos sur les MMORPG? Si tu cherches des infos sur MMORPG, bah Inelia peut complètement te conseiller, et bien mieux que moi. Contrebandiers, d'innombrables rats et des sorcières de bonheur. Et si t'as des choses à conseiller, toujours évité, mais reste preneur. Un peintre nommé Delila a pris le pouvoir, créé un cercle. Elle préparait quelque chose, un rituel. Mais quel genre? L'outsider le sait. Je ne supporte pas les mystères. Bah niveau type de jeu, parce que là je vais avoir un nouveau succès normalement. Ok, hein. On va faire le bien. Type de jeu, bah c'est très très large, vraiment. Je pense que je joue un peu tout. J'adore les jeux de gestion, j'adore les jeux de création, j'adore tout ce qui est jeu solo en fait. Je pense que j'aime beaucoup plus les jeux solo que les jeux multi. Là pour le moment, je suis un peu sur TFT, enfin, avec League of Legends. Sinon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je crois qu'un de mes jeux préférés c'est genre No Man's Sky. Ça, j'avais kiffé No Man's Sky. Metro 2033, j'ai déjà entendu parler, mais j'ai jamais joué. Je l'avais vu gratuit avec. C'était sur. Je sais plus quelle plateforme l'offrait. Dès que tu me donnes des noms en même temps, je vais voir sur Steam. Metro 2033. Succès Steam. Ouais, Epic Games l'offrait. C'est ça. Je regarde au niveau des succès aussi. 500 munitions de grade militaire de Kalim. Ok, je vais le mettre dans ma liste de souhaits. J'en suis où dans Dishonored? Si la réponse est oui pour Dishonored, du coup j'ai fini les deux premiers DLC. Donc, j'ai fait tous les succès des deux premiers DLC. Ça c'est le dernier DLC, je dois le faire une fois en mode KO total, puis faire en KO faible. Et puis je devrais refaire le deuxième et troisième DLC en récupérant le plus de pièces possible et en KO faible. Parce que je dois récupérer 10 000 pièces. Et en fait, le DLC 2 et 3 sont liés. Donc, quand je finis le 2, tout est pris sur le troisième DLC. Donc, ça veut dire que je vais devoir tout refaire. Si la caméra est bien mise. Je vais devoir tout refaire une fois en fouillant bien tout, quoi. Là, pour le moment, c'est un peu un gros rush. Finir une première fois le jeu, quoi. Elles ont verrouillé l'entrée et j'ai aperçu des pièges. Au fait, ce n'est peut-être rien, mais j'ai vu plusieurs statues de cette femme, Delila. Ça, les jeux Batman, je connais pas du tout. Je préférais vous le signaler. Tu as bien fait. Autre chose ?
Elles entrent et sortent du manoir. Sans que je sache comment. Désolé, monsieur. J'ai fait de mon mieux. Ça ira. Je m'occupe du reste. Ça, c'est la dernière mission du dernier DLC. Enfin, c'est la dernière map, on va dire. Qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Oui, c'est... Ok. Batman, ouais, donc les jeux Batman, je connais absolument pas. Et voilà. Inelia, sinon, est-ce que ta journée s'est bien passée sinon ? Est-ce qu'il y a eu quelque chose de spécial ? Est-ce qu'il y a eu quoi que ce soit ? Ça, j'aime pas. Mais ouais, sinon, niveau jeu, vraiment, je joue à tout sans souci. Note de majordome. Ouais, non, mais c'est pour savoir s'il y avait d'autres choses en plus. Je t'ai demandé si ça allait, mais je savais pas plus ta faute. Donc on est rentré dans le manoir, cascade. Ah, j'aime pas ça, dégage. Oui. Dauntless. Le nom me dit aussi un truc, mais je l'ai plus en tête. Du coup, si tu sais me dire ce que c'est. Cachette 90 mètres, domaine. Un peu partout. Non, 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 non. Je vais lire l'avenir dans... Ok. Mais c'est plus pour savoir ce que t'avais fait que pour savoir si t'allais vraiment bien. Ah, je chasse un peu. Dauntless. Chasse comment ? Chasse animaux ou genre chasse à l'humain ou. Ou c'est un jeu un peu horreur. Juste le nom me fait penser à un jeu d'horreur. Je sais passer par ici. Voilà. Par ici. Il a l'air de rien y avoir de plus. Est-ce que je peux monter là-dessus ? Je ne dirais pas. Chasseur. De chasse, ça peut être de gros dragons par exemple. Un peu du style de Monster Hunter. Je sais passer par ici. Oh, mais il y a ces trucs qui m'attaquent de partout, j'en peux plus. Ça, c'est bon. Ok, ça Monster Hunter par exemple, j'ai ultra kiffé. J'ai commencé à jouer sur PSP. Quand j'étais plus jeune. Et je crois que c'est des jeux sur lesquels j'ai passé le plus de temps. C'est genre Monster Hunter Freedom Unite, je crois. Il y en avait d'abord un sur PS2. Je regarderai ça juste après. 40, 50 mètres. Est-ce que ça vaut vraiment la peine que j'ai lui parlé à ce gars? C'est rare les jeux gratuits, comment ça se... Ah. Je pense qu'il a pas fouillé. Il avait pas des clés avec lui? Ah si, voilà. Clé de l'entrée. C'est vraiment rare les jeux gratuits. Et c'est multijoueur ou...
Oh, mais j'aime pas les sorcières. Et pas les chiens non plus. Ok. Au moins, ils sont très fragiles. Faveur, traîtresse. Je me fais taper d'où là? Tomb Raider aussi qui sent sympa. Ouais, ça, ça j'aimerais bien le faire. Je sais qu'il y a des succès solo en plus. Mais ça j'aimerais bien, j'en ai dans ma liste de souhaits. Mais en fait ce qui me freine dans les jeux, c'est dès qu'il y a des succès multijoueurs. Parce que du coup, avant je kiffais les jeux, c'était quoi, les Sniper Ghost Warrior. Et ces jeux là, ils étaient ultra kiffants à faire. Mais t'as des succès multijoueurs et tout. Et du coup c'est un peu impossible à faire à l'heure actuelle. Parce que les serveurs sont complètement down. On peut monter ici. Ouais. Il faut que je trouve, et il me semble que les Tomb Raider, dans ceux que j'ai vus, il y a des succès multi. Après, je me trompe peut-être. Comment est-ce que je passe? Je peux peut-être augmenter mon saut. Clignement. Petite sauvegarde rapide. Là, j'ai l'air de pouvoir passer. Ok. Pour moi, on a su rentrer. Là, je vous tue. Ouais, mais du coup, c'est ça en fait. Le multi me freine un peu sur le principe de la chaîne, sauf si c'est des succès que je peux. Enfin, que c'est sûr que je peux réaliser, quoi. Où est-ce que je passe? C'est pas une fenêtre? Et ça, c'est pas une fenêtre. Comment est-ce que... Porte d'entrée, domaine... Peut-être par là au-dessus. Bon, tu vois. Inilia, tu es à quelle heure demain? Ouais, mais vraiment, type de jeu, je suis pas compliqué. Tu peux me proposer tout ce que tu veux, normalement, je te dirai oui, ça passe. C'est rare que je n'aime pas un jeu. Ok. Entrer dans le manoir, Brymore. 17-18 heures, je pense. Ok, est-ce qu'on mange ensemble ou pas? Et moi qui pensais que le quartier inondé était délabré. Qu'est-ce que je dois faire ici? Elle me fait peur. Ils sont obligés de faire des choses effrayantes. Du coup, j'ai pas la moindre idée d'où je dois aller. Ok. C'est nul. Très nul en visée. Ouais, mais elle meurt pas. Et pourquoi elles sont autant? Ok. Au secours, au secours, au secours.
Bah merci d'être passé et d'être venu regarder un peu le stream, ça me fait extrêmement plaisir. C'est toujours cool d'avoir des nouvelles personnes. Attends, parce que j'essaie en même temps de me concentrer. Et du coup, bonne nuit à toi. Peut-être à une prochaine. Normalement, je pense que je vais devoir encore jouer un autre jour sur Dishonored. Donc, si tu veux passer, me dire comment tu le trouves, comment t'avances. Ça m'intéresserait. Et sinon, bah, bonne nuit à toi. Ok, ça c'est bon. Mais elles sont combien? C'est la femme. Yeah. Oh là là. La femme. Ok, petit one shot, ça c'est cool. One shot qui est cool. Alors, comment est-ce que... Et de ton côté, Nelia, Zelda, ça se passe bien. J'arrive à avancer. Ça se passe même trop bien. Bah ouais. Du coup, les cours, c'est un peu galère, c'est ça. Ok, donc je reviens ici. Et dès que j'ai pas de marqueur pour savoir où je dois aller, perdu. J'ai entendu un bruit. Parle pas de Satan. Ah bordel de merde. Sors de là, où que tu sois. J'ai envie d'aller les tuer moi du coup. T'es où? Ok. Alors... Il est venu me voir la nuit dernière, mais mon atelier de... Je terminais mon tableau de la jeune Emily. Elle a appris qu'une officier était laissée capturer, interrogée. Okay. Ça fait quoi? Elle l'ouest, trouver l'atelier d'Elia. Hop. Tu joues là en même temps de regarder le stream? Oh, tu fais que me regarder. Waouh. Alors, si je passe là, ça déclenche le piège. Piège qui va être lancé d'où? Ah, de là. Hop, on peut désamorcer ça. On peut passer par là. Alors, ça. On va les détruire. Bon, de quoi tu joues en même temps? C'est pas à chaque fois vrai. Je peux passer par là au-dessus. Par ici. Ah ouais, on dirait. Je me heal un peu. Je vais prendre du heal. Mais là, j'étais HM là. Nouveau viewer. Nouvelle personne. Je suis content. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je dénonce les oracles. Ouais, du coup, nouveaux followers aussi, on passe à 31 followers. Ils ont vu la jeune Caldwin est la clé. La fille du tableau. Ça monte, ça monte. Combien à chaque fois je suis
J'ai vu quelqu'un venir parler, j'étais. À chaque fois, je suis surpris en fait. J'attends vraiment pas ce que des gens viennent se perdre sur des vieux jeux comme ça. Et en fait, ils viennent justement pour des vieux jeux. Ok. Oh bordel. Emily Caldwin. Qu'est-ce qui se passe ici? Veut utiliser Emily pour devenir ramasser. OK. Clé récupérée. Galerie. Où te caches-tu? Il parle. J'ai dû rêver, il est peut-être dormir. Mais en plus les meufs qui parlent, elles sont cheloues, les sorcières là. Je les aime pas. Je vous déteste tous. Bien. Tu dois devoir faire tout en full silencieux. Je le ferai pas aujourd'hui. Je crois qu'il y a pas d'être. Bon. Mais oui, mais elle cheat aussi. J'ai d'abord craint. Yeah. Ouh. J'ai moyen de. Ah oui. Toi, ma faille. Hop les. Du coup, ouais. Agréablement surpris, j'ai parlé. Mais ça fait un petit moment que j'ai stream, donc ça me faisait tout bizarre de. Bah, dès que je stream plus régulièrement, ça me fait tout bizarre de reparler à des gens et de. Et d'être de façon normale. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais. Je sais pas si je devais la tuer, elle. Mais je finis le jeu en mode chaos élevé. Et puis après, je crois que j'arrête pour aujourd'hui. Ça va, une petite session. Mais ouais, ça arrive souvent. Enfin, pas trop souvent non plus, parce que souvent je suis seul et c'est juste que ces moments-là, y'a personne, du coup tu on le voit pas. Bien mais. Des talents, Daude, et ils t'ont servi. Delila, en revanche, est différente. Elle crée des images. Je sais que demain après-midi, je vais pouvoir stream du coup si tu veux, soit. Elle capture l'esprit. Elle impose sa volonté à son sujet. Quel qu'il soit. J'aurais pu goûter la lasagne. Nous sommes témoins de son chef-d'œuvre. Et peut-être demain. Tien aussi. Tu as compris. En plus, on va regarder un trop bon film. Et sur la corde raide. Aussi, je m'arrive. Comme Delila et comme le sort d'un empire. La fin est toute proche. Et je me suis délecté de te voir lutter contre le destin que tu as toi-même mis en marche. Toute vie s'éteint. Et tout finit ensemble. C'est vrai qu'on va boire un verre. Mais toi, mon ami, ta flamme est vive. Mais tu veux pas venir un peu plus tôt pour aller boire un verre plus tôt? Le grand vide. Voyons ce que vous savez faire, Delila. Comme ça, t'as pas la lasagne, on met la lasagne et puis après. Œuvre de substitution adéquate. Moi, je vais la tuer. Je peux la tuer? Merde. Daude, vous réussissez à me surprendre. C'est pas ce que je voulais faire. Discret comme un petit rat. Parce que le soir, je sais pas s'il y aura place. J'avoue que je ne m'attendais pas à vous voir ici. C'est vous qui m'avez donné cette chance, après tout. Je pensais peut-être voir le protecteur arriver au dernier moment. Mais préviens-moi, parce que moi, j'organise mon après-midi en fonction de. Être très occupé. Faites-vous cela pour Emily. Ouais, balèze alors. Inutile.
On ira après manger. Vous avez tué sa mère sous ses yeux quand tu veux. De la vendre à une bande de meurtriers. Vous pensez qu'elle est capable de régner? Bon allez, on va passer ça. Par ici, vite. Pourquoi il y a pas d'Elia? Pourquoi je me fais fumer comme ça? Et au secours. Ah. C'est pas elle. C'est pas elle non plus. Je ferai une belle toile de votre peau. Elle non. Elle est Merc m'a pas. Je vais vous. Mais laisse-toi taper. Je te lis après, hein. Ok. Puis des lilas. Pas mal. Ouais, elle est vraiment infâme, mais tout le combat est infâme. Genre, se battre contre elle, c'est chiant. Ma mère rentre à case, donc je verrai si j'ai bossé un peu, minimum. Attends, et ici, il y a 2000 pièces. Ok. 2000 pièces. Je dois avoir 10 000 pièces, donc 3. Ouais, donc c'est bien sur les 3. Sinon, ça fait 4000, 5000, 7000. Il m'en faut. Ok. Donc je verrai si j'ai bossé un peu, minimum 16h, 16h30. En tout cas, j'aiderai pas avant, ça c'est sûr. Bah écoute, tiens-moi au courant quand même demain. Personne ne saura vraiment ce qu'il a fallu pour qu'Emily Caldwin puisse être sauvée. Les griffes de Delilah. Personne en dehors de l'outsider. Celui qui observe tout. Et voilà. Et qui nourrit de noires pensées et ne parle qu'à peu d'âmes à chaque génération. J'ai appris que nos choix ont toujours de l'importance. Pour quelqu'un. Quelque part. Quelqu'un. Que tôt ou tard. Quelque part. Sans qu'on puisse toujours les prévoir. Les conséquences nous rattrapent. En fait, c'est cool parce que les DLC parlent de l'histoire de Daud. Daud qui est l'assassin qui a tué l'impératrice, qui a capturé sa fille. Et que tu combats dans le jeu de base. Mais du coup, là, t'as son versant. T'as son côté de l'histoire. Ce sont mes choix. Et je les assumerai. Et c'est très très stylé parce qu'avec lui aussi, tu peux faire les bons choix ou les mauvais choix. Et là, vu que t'as un chaotique, ben, tu vois la version finale de chaotique avec Corvo. J'implore ta clémence. Quand j'ai tué l'impératrice et pris sa fille, quelque chose en moi s'est brisé. Maintenant, je veux juste quitter cette ville, disparaître de la mémoire de ses habitants. J'en ai assez de tuer. Mais ma vie est entre tes mains. Fais ton choix. Ta requête est bien audacieuse pour un homme aux mains tachées du sang d'innocents. Quel dommage que Corvo ignore la véritable histoire. Comment Daud, le légendaire assassin, a consacré les derniers jours de sa vie à tout tenter pour sauver Emily Caldwin, qui a bravé les gardes de la prison de Coldridge, défié des chefs de gang
et surmonter les horreurs de Brigmore. Au crépuscule de ta vie, tu as mis Dunwall à feu et à sang, semé le chaos pour l'avenir de l'Empire. Une histoire qui ne sera jamais complète. Et tu laisses le dernier chapitre à Corvo. Quel courage! Tu as fait ton choix. Bah en vrai, le verre, le cocktail comme ils l'ont fait a l'air super bon. J'ai plus de wifi. Est-ce que ça fonctionne? Le stream fonctionne? Attends, je check 2 secondes si j'ai internet. Ouais. Ok, parce que j'étais en train d'essayer de me connecter au chat en fait et j'avais un truc en mode qui tournait en mode connexion au chat. Je comprenais pas pourquoi. Pam 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 pam. Ok, calamité, voilà. Donc là on a fini le DLC pour la première fois. C'est cool, j'ai commencé genre à 22h30. Il faut 2 heures pour faire le DLC en rushant un peu. Et du coup, je vais arrêter le stream là, à mon avis. C'est déjà une belle petite session, on a déjà eu pas mal de quelques petits succès. Il me restera quoi, du coup? Terminer les sorcières de Brimore en chaos faible. Sans alerter qui que ce soit. Sans tuer qui que ce soit. Et terminer les sorcières de Brimore en chaos faible avec 10 000 pièces en poche. Ça va être compliqué, je sais pas encore comment je vais m'y prendre. Je sais pas si je fais 2 runs, une en full silencieux, ma propre, et puis que je refais une run avec tout. Ouais, je crois que je vais refaire une run avec tout. Je crois que je vais encore faire 2 runs du coup. Même si je peux tout caler en une. Je sais pas ce qui prendra le plus de temps. Ou le moins de temps. Je dois réfléchir à ça. Mais sur ce. Merci d'être passé sur le stream. Bonne nuit, bisous. Et ciao Twitch, ciao YouTube, et à la prochaine. Ciao.